Ladies and gentlemen, je vous ai annoncé que j'attends avec impatience ce zombie. Et maintenant, on va regarder la cinématique ensemble. East Berlin. On est de Berlin, allez, on est là. Je l'attends vraiment avec grande impatience. Parce que bah Black Ops, zombie, ça me dit quelque chose. Alors, je sais pas s'il est bien le zombie, mais rien qu'avoir un zombie, déjà, c'est ouf. C'est comme avoir un GTA, c'est ouf aussi. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Situation Room. On a perdu deux équipes depuis que vous avez tout coupé. Les vieilles images de guerre sont cadets de mes soucis pour l'instant. Regardez. Regardez la vidéo. Et dites-moi que je me trompe. Ok, on va regarder une petite vidéo, là, tranquillement, tous ensemble. Hein, on va pas se mentir. Ok, ça part à la guerre. Un ami est au sein du KGB. Un ami difficile. Les Allemands ou les amis russes? Oui, certains d'entre nous. Des Allemands, des amis russes, excellent. Oula. C'est du nucléaire tout ça, non? Eh, c'est infecté tout cette merde là. C'est quoi ce merde? C'est pour ça qu'il fallait que vous voyiez. What the fuck? Ah bah salut toi! Allons voir. Je le sens pas. Attention. Ok. En effet, oui, en effet. Ouais. On est là. Oui. On est sur un zombie, clairement. C'est assez violent. Ils se sont fait massacrer. Ok, la caméra elle est dead. Plus de caméra. La suite se passe une semaine plus tard. Ok, une suite. C'est quoi la suite? Ils vont partir à la chasse. C'est l'équipe de nettoyage. Ah ok, ils nettoient. Ah, ils veulent le cacher ou quoi? Pauvre type. Mais non, attends. Attends, est-ce que j'ai bien compris le truc? Le gars, il gagne une médaille? Parce qu'il va, il va mourir là-dedans, en fait. C'est tous des enfoirés, on est bien d'accord. Le gars, il dit, vas-y, là, mon gars, tu vas gagner une médaille, tu sors comme un héros, mais par contre, tu sors mort. Ils ont tenté d'enterrer l'affaire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ah, ok. Jusqu'à... il y a deux semaines. C'est pas tard. Aujourd'hui, ça recommence. Vous connaissez le groupe Omega? Vous devez vous rendre. La CIA peut vous protéger. Je peux vous protéger. Je peux pas faire ça, Weaver. Omega a des projets pour les zones de contagion. Je dois rester sur le terrain. Sam. D'ailleurs, graphiquement, très très bien foutu pour un Call of. C'est le seul moyen. Bien sûr. C'est juste cinématique, hein. C'est pas... les graphismes du jeu, mais quand même. Quand même. Ils ont fait un effort là-dessus. Et j'apprécie les efforts. J'apprécie toujours les efforts, ça c'est l'essentiel. Les efforts, c'est l'essentiel. Une voiture qui suit, c'est jamais bon signe. Et tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on va, j'espère, bientôt se retrouver pour un Call of... pour un zombie. Parce que zombie, je l'attends, mais avec tellement d'impatience. Alors, apparemment, déjà, il y a The Machine, The Machine. Je pense que ça, c'est le mode zombie normal. Déjà, pour l'instant, il y a juste une map, du coup. Je pense qu'avec des map packs, par la suite, ils vont encore en faire d'autres. Donc, ça, c'est sans fin, le truc classique qu'on connaît. Après, il y a les 20 manches. Et après, il y a Dead Ops Arcade. Arcade, ça vous dit quelque chose? Dead Ops Arcade, pour ceux qui ont joué sur Black Ops, le premier du nom. Excellent. C'était plutôt entre deux parties qu'on faisait ça, hein, on va pas se mentir. Et puis, après, ça c'est, si j'ai bien compris, le mode exclusif pour la Play. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est simplement, ça s'appelle Carnage, donc le mode zombie, mais sur les maps du multi.
Donc, notamment Miami, Moscou, Cartel, Split, Checkmate, Garrison et Crossroad. D'ailleurs, Checkmate et Garrison, ça, c'est deux nouvelles maps. Je les connais pas encore. Les autres, on les connaît tous du multi, enfin de la bêta et de l'alpha. Voilà. Ok, bah hâte de découvrir tout ça avec vous. Bien sûr, si vous voulez rien louper, n'hésitez pas à activer la cloche et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et comme ça, vous êtes en courant de toutes sortes de vidéos qui vont encore suivre ce week-end et les prochaines semaines. J'ai pris congé la semaine prochaine, donc faites-moi confiance. Il y aura des vidéos et puis on va découvrir tout ça proprement ensemble. Salut Jean et à très très bientôt. D'ailleurs, peut-être même un petit live ce soir. On verra peut-être ce week-end, mais peut-être même ce soir déjà. C'était une petite information pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin.